Bonjour, je m'appelle Antonin, je suis intervenant de parcours au bout de Sciences du Monde et aujourd'hui je vais vous présenter des mouvements de base du parcours. D'abord le saut de précision et le saut de détente qui sont les deux sauts vraiment basiques du parcours qui ont la même réception et un départ différent, c'est ce qui vont les différencier. La réception elle est pareille pour tous les sauts en parcours, c'est j'arrive sur le bord du volume, si possible les doigts de pied au bord du bord avec les genoux pliés à 90 degrés ici. Les bras devant, et là je tiens. Si je suis ici, c'est que mon saut est réussi. Si j'arrive ici, je risque de me faire mal au talon, ou alors de glisser même. Donc on essaie vraiment d'arriver sur la pointe, c'est là qu'on a le moins de risque de se faire mal. Évidemment, c'est là où ça me fait plus peur, parce qu'il y a le bord, on a peur de glisser, et du coup on risque de se faire mal. Mais en fait, on a vraiment peu de risque de se faire mal, contrairement à si on va taper les talons. Et deuxième chose importante pour éviter de se faire mal, c'est quand je fais un saut, je pose toujours les deux pieds sur le volume. Si j'en ai qu'un qui peut arriver, généralement ce qui va se passer, c'est que le tibia risque de taper sur le bord et je vais me faire mal. Donc allez jusqu'au bout du mouvement à chaque fois et vous ne ferez pas mal. C'est quand on n'y va pas jusqu'au bout qu'on se fait mal. Ok, donc le départ du saut de précision. Pour cette précision, on part toujours pieds joints au bord d'un volume. Pareil, les doigts de pied dépassent légèrement du volume pour pouvoir, lorsque je vais partir, appuyer sur la face inclinée et je vais arriver sur le module d'en face. Donc je me prépare, mes bras viennent devant, je les envoie en arrière, je plie les genoux et je saute. Et je vais sauter. Donc, je viens ici et je viens ici. Donc, là, le saut n'est pas réussi en soi. On y va toujours au début. Et petit à petit, on va chercher à avoir de la précision. Et même quand le saut n'est pas réussi, on tente toujours d'arriver les pointes sur le bord pour éviter de se faire mal. Autre chose importante, quand je vais sauter, au moment où je saute, je vais venir ramener les genoux dans les airs, puis étendre, pas jusqu'au bout, pour éviter de casser le genou avec une jambe trop tendue à la réception pour pouvoir bien amortir. Donc légèrement plié et je viens amortir avec les mains. Donc, je saute et j'amortis. Ok. Et la principale erreur qu'on fait dans un saut de précision, c'est de sous-estimer le saut. Quand on a des sauts tout petits, comme par exemple ici, d'un tapis à un tapis, on a tendance à se dire bon, ça va, c'est facile. Mais en fait, là par exemple, je suis arrivé trop en avant, du coup mes talons ont légèrement tapé et c'est là que je vais me faire mal. Alors que sur les sauts généralement grands, on va se donner à fond, on va aller jusqu'au bout et on va extrêmement bien faire le saut. Mais c'est justement sur ces petits mouvements, sur les mouvements où on apprend, qu'il faut être le plus concentré et faire le mieux le geste. Donc je saute et j'arrive bien. Ok. Du coup, maintenant on va voir comment vous pouvez pratiquer chez vous, à n'importe quel endroit, parce que c'est souvent le souci en parcours qu'on peut noter, c'est où est-ce que je peux pratiquer, j'ai pas de module chez moi, comment je fais. Là, généralement en fait, pour le saut de précision c'est facile, on peut le pratiquer vraiment n'importe où. Il suffit d'avoir un stylo, d'avoir comme ici des bouts de scotch. Je mets mes pieds sur un bout de scotch et j'arrive sur le bout de scotch et on peut pratiquer comme ça. Bien évidemment, si on veut aller plus loin pour avoir un plus haut niveau, il va falloir sortir quand même et chercher des endroits. Mais on peut en faire partout des sauts de précision et c'est ce qui est pratique. Et c'est pareil pour le deuxième saut, le saut de détente. Le saut de détente, c'est la même chose que le saut de précision dans le saut. La seule différence, c'est au départ, puisque le saut de détente, je vais venir courir, prendre appui à un pied, envoyer le genou et arriver sur l'autre module. Donc je suis ici, je sors du cadre,
et j'arrête. Et on arrive dans la même position, seul le départ change. Pensez bien, sur un saut de détente, à envoyer le genou. Ce qu'on a tendance à faire, et pareil sur les petits sauts, c'est j'envoie le pied. C'est pas loin, alors j'envoie le pied. Mais le pied, il est pas précis, et il peut rater la marche, et pareil, c'est le tibia qui tape. Alors que si j'envoie le genou, après, mon pied, il peut s'ajuster en fonction de là où je veux arriver. Et du coup, j'arriverai toujours à peu près bien là où je veux. En plus, le genou, il permet de sauter plus haut, plus loin, donc c'est tout bénef. Et voilà. Et pareil que pour le saut de précision, on peut le pratiquer n'importe où, n'importe comment. Et on n'oublie pas aussi, on a tendance à sauter les étapes, à se dire, bon, c'est bon, je l'ai fait deux fois, j'y arrive très bien. Maintenant, je peux essayer de monter. En parcours, on a tendance à se dire, ouais, il faut que j'aille sur les toits. Mais le parcours, c'est une pratique qui se... Il faut répéter. Des dizaines, des centaines de fois, jusqu'à être parfaitement conscient de ce qu'on fait. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher des choses plus compliquées, plus dures. Et on y va progressivement, il faut se faire plaisir aussi, mais pensez surtout à votre sécurité d'abord. Cette fois-ci, on va voir deux passements, les deux passements de base du parcours, qui sont le passement fluide et le saut de chat. C'est les deux passements qu'il faut absolument connaître quand on fait du parcours, qui sont les plus utiles à tout moment et qu'il faut pratiquer régulièrement, surtout pour le saut de chat, qui n'est pas un mouvement facile et on fait facilement des erreurs dessus. Ok, du coup on va direct passer au passement fluide pour commencer. Le passement fluide, c'est un passement simple puisqu'on va poser un pied et une main sur notre module à passer. Une fois que je suis ici, je vais passer la jambe qui n'est pas posée en avant et ensuite je vais venir la poser par terre. Et ça, c'est un passement fluide. Après, c'est un passement qui est fait pour gagner en vitesse, pour aller très vite dans les speedruns, justement, en parcours, on l'utilise beaucoup. Du coup, pour ça, on va aller chercher plutôt, une fois que je suis ici, je vais passer ma jambe, je vais mener un coup de bassin vers l'avant pour aller chercher plus loin ou pour aller plus vite. Donc, les choses à savoir quand on fait un passement fluide, c'est même si c'est un passement qui doit aller vite et qui est facile à apprendre, tu ne dois pas griller des étapes. C'est souvent ce qui se passe, c'est que je suis ici, hop, là, j'ai pas passé ma jambe assez vite et du coup, je me prends le module. L'important, c'est vraiment de passer la jambe. Une fois que j'ai acquis assez d'aisance, même, je peux essayer de... Je vais sauter et je vais déjà passer ma jambe avant même d'avoir posé ma main et mon pied. Comme ça, je gagne encore en vitesse. Donc, allez-y doucement. Hop, je suis ici, je passe ma jambe. Et petit à petit, vous allez augmenter en vitesse. Et petit à petit, on va avoir un passement fluide qui est beau et qui est efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur le passement fluide ? Le passement fluide, on peut aussi l'utiliser après un saut de précision. Donc, je finis mon saut de précision, je suis ici. Et bien, je vais poser une main, lâcher une jambe et continuer. Et du coup, ça va donner une fluidité au mouvement qui est assez intéressante dans certaines lignes de parcours. Quand on veut enchaîner après sur un autre mouvement, comme un corps ou sur la ligne. Mais ça reste toujours intéressant de connaître le passement fluide et de savoir l'utiliser à tout moment et des deux côtés. Parce que on a toujours un côté préféré, moi vous aurez compris, c'est celui-là. Mais il ne faut pas oublier d'apprendre l'autre côté, parce que parfois on n'aura pas le choix de l'utiliser. Donc toujours travailler l'ambidextrie là-dessus. Du coup, là ce qu'on peut se demander c'est comment le pratiquer n'importe où. C'est vrai que c'est plus compliqué pour les passements, mais c'est quand même possible si on a à disposition des tables assez solides ou des buffets dont on n'a pas trop peur que ça casse. On fait bien évidemment attention à son matériel, surtout si c'est chez soi. On n'a pas envie d'acheter une table parce qu'on a fait un passement fluide. Mais donc, si on a même une chaise, ça peut suffire. Je vais venir juste monter sur mon volume ici. Et je vais descendre en passant fluide. Et déjà, ici, c'est travaillé. Et même après, je peux monter, je me retourne, et je descends dans l'autre sens.
et après je fais l'autre côté. Je monte, je tourne et je descends. Et comme ça, je n'utilise qu'un seul côté, si je n'ai pas beaucoup d'espace, je peux quand même le faire. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le passement fluide, on peut aller chercher d'autres mouvements liés au passement fluide, comme un double passement fluide, qui est assez compliqué à faire, mais qui est assez intéressant. Je viens ici et je continue. Ou alors, je peux même aller chercher un passement fluide presse, où je viens faire passe en fuite et j'arrive sur une autre plateforme. Ici, j'ai rien derrière, mais on s'en fiche. Comme j'ai dit pour le saut de presse, on peut toujours faire un passe en fuite et arriver sur une ligne imaginaire et continuer comme ça. Donc, je viens ici et je stick. Là, stick. Sur la pointe des pieds, sur le bord de ma ligne imaginaire et je tiens. Ok. Du coup, on va passer au deuxième mouvement, le saut de chat. Le saut de chat, c'est un mouvement beaucoup plus compliqué. Compliqué déjà parce qu'on a souvent peur quand on commence de se taper les genoux. Donc pour vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, le saut de chat, ça ressemble à ça. Voilà. Donc les genoux passent entre les mains. Généralement on se dit ah non, j'ai jamais les abdos, j'ai jamais les bras pour faire ça. Et en fait on utilise la triche dans les jambes. Le parcours c'est surtout un sport de jambes. On va venir sauter avec les jambes pour pouvoir monter plus haut les fesses. Du coup, pour apprendre le saut de chat, on va commencer avec plusieurs étapes. La première, je viens sur le bord de mon module ou de ma table. Et on va venir monter les genoux jusque sur les pieds. Voir si c'est trop dur, juste faire ça. Je monte juste les fesses. Pensez bien à utiliser les jambes, quitte à je prends un rebond vers le bas et ensuite je saute. Ça permet d'aider, on a besoin de moins d'abdos, moins de bras. Une fois que je suis ici, je vais venir juste sauter en avant pour commencer. Et petit à petit, en faisant attention à ne pas se faire mal, je vais venir passer les jambes au-delà de mon module. Donc si on est chez soi, on ne peut pas aller jusque là forcément, mais si on est en extérieur, on n'hésite pas. Donc je viens ici et je vais venir passer. L'important c'est d'avoir toujours les épaules et le plus important du poids du corps vers l'avant. Parce que si je suis vers l'arrière, ce qui va se passer et ce qui arrive toujours, on fait tous cette erreur là au début, c'est ça. Je fais ça, c'est un autre passement qui est aussi très joli, mais c'est pas un saut de chat. Ça ne permet pas d'aller plus loin après dans le saut de chat. Du coup, pour éviter ça, on garde toujours le poids vers l'avant. Et dans le pire des cas, ce qui peut nous arriver après un saut de chat, c'est qu'on est trop penché en avant, c'est que je pose les mains par terre. Et il n'est rien arrivé, j'ai juste posé les mains par terre. Et vous verrez dans une autre vidéo, on verra la roulade et vous pouvez vous réceptionner après en roulade si vous voulez. Du coup, vous commencez à maîtriser bien le saut de chat, vous passez le module, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire le départ. Le départ, il va se faire pied décalé pour éviter de casser la course d'élan. Si je pars pied joint, je vais avoir tendance à casser ma course d'élan et je vais aller moins loin après sur les sauts. Au contraire, si j'enchaîne avec un pied décalé, je vais pouvoir pousser beaucoup plus fort avec mes jambes. Du coup, on va venir ici, on se baisse. Le mieux c'est d'avoir de descendre les épaules en dessous du volume pour pouvoir monter plus facilement. Je pose mes mains, j'envoie les jambes, je saute et je passe. Là on est sur un saut de chat qui est déjà très bien maîtrisé. On est déjà tout bon. Si vous voulez aller encore plus loin dans le saut de chat, comme pour le passement fluide, on va chercher un saut de chat précisé. Donc, je vais venir arriver ici avec une ligne imaginaire. Je viens ici et je tiens sur ma ligne imaginaire. On peut essayer aussi un double saut de chat que je ne vais pas pouvoir faire parce que je n'ai pas mis mes deux modules ici. Mais ça reste intéressant à faire. C'est beaucoup plus compliqué que le double passement fluide. Donc, faites bien attention à quand vous le faites,
N'hésitez pas à avoir des tapis même pour commencer, parce que ça peut vite être risqué, on a la tête qui plonge vers l'avant et on peut vite perdre des dents. Donc on fait très attention, on va chercher des tapis d'abord, avant de se lancer dans l'inconnu, à faire n'importe quoi. Et du coup, eh ben, je pense qu'on est bon pour le sauteur et pour le passement fluide. Alors, à bientôt.